On revient souvent à ces classiques. Et pour moi, par rapport à mes titres préférés, bien, ce ne sera pas une exception parce que Dany Laferrière et Gabriel Garcia Marquez méritent, selon moi, une mention honorable en ce qui, pour ce qui vient à des titres marquant et impressionnant. Pour Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude ou l'amour au temps du choléra traduisent selon moi très bien la beauté qu'on va retrouver à l'intérieur du texte même. Dany Laferrière s'est fait connaître avec Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer et ça l'a propulsé, disons, à une sorte de superstardom littéraire et il continue en fait à chaque publication de nous sortir des livres avec des titres qui nous font rêver un peu, que ce soit L'art presque perdu de ne rien faire, L'énigme du retour, Chronique de la dérive douce. Il y a toujours dans les titres de Dany Laferrière, sinon un opportunisme quand ça vient à Je suis un écrivain japonais, il y a toujours dans ces titres une poésie ou une force d'une simplicité qu'on se dit pourquoi moi j'ai pas trouvé ce titre là. Et donc moi, donc Dany Laferrière et Gabriel Garcia Marquez sont des gens qui écrivent des titres qui donnent envie de lire un livre à la hauteur de ces titres-là.